Résoudre si possible l'équation. Alors on a cette équation qui fait intervenir des, des valeurs absolues. Il y a 4 fois valeur absolue de x plus 10 plus 4 doit être égal à 6 fois valeur absolue de x plus 10 plus 10. Alors pour commencer on va faire exactement ce qu'on fait dans le cas d'équation. En fait on va commencer par essayer de mettre les termes, ce terme là hein, je vais le repasser en rouge, valeur absolue de x plus 10. On va essayer de mettre tous ces termes-là de ce côté à gauche du signe égal. Voilà. Donc je le mets en rouge. Hein. Voilà. Alors comment est-ce que je peux du coup faire passer ce terme-ci à gauche du signe égal bah, Tout simplement, je vais enlever 6. Là j'ai 6 fois x, valeur absolue de x plus 10. Bien, je vais enlever 6 fois la valeur absolue de 6, de x plus 10. Pardon. Donc je vais faire moins 6 fois valeur absolue de x plus 10. Voilà. Donc si je fais ça d'un côté, rappelle-toi, là on est dans le cas d'une équation tout à fait normale, hein. donc si je fais quelque chose, une opération d'un côté, je dois faire exactement la même de l'autre côté. Donc je vais le faire ici aussi, moins 6, j'enlève, valeur moins 6, fois valeur absolue de x plus 10. Et puis, ce que je voudrais faire aussi, c'est faire passer ce 4 de l'autre côté de manière à avoir uniquement des valeurs absolues de x plus 10 de ce côté-là et uniquement des nombres de l'autre côté. Alors, pour faire ça, ben, je vais me débarrasser de ce 4. Je vais faire moins 4 ici. 4 ici. Et du coup, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève 4 de l'autre côté aussi, à l'autre membre. Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Donc, ici, j'ai... 4 fois la valeur absolue de x plus 10, moins 6 fois la valeur absolue de x plus 10. Alors, 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc, je vais avoir en fait moins 2 fois valeur absolue de x plus 10. Alors, ça, ça te paraît peut-être un petit peu bizarre, mais si tu as 4 oranges, par exemple, et que tu en enlèves 6, ben, tu vas te retrouver en fait avec moins 2 oranges. Ensuite, j'ai 4 moins 4, ça, ça fait 0. Donc j'ai terminé pour ce membre-ci. Pour le deuxième membre, le membre de droite, j'ai 6 fois la valeur absolue de x plus 10, moins 6 fois la valeur absolue de x plus 10. Donc ça, ça s'annule. Et, et il restera les termes constants 10 moins 4. 10 moins 4, ça fait 6. Voilà. Donc finalement, je me retrouve avec cette équation-là. Moins 2 fois la valeur absolue de x plus 10 est égale à 6. Je vais la réécrire en bas, hein, ça sera plus joli. Moins 2 fois. Valeur absolue de x plus 10 égale à, à 6, pardon. J'avais dit moins 6 peut-être tout à l'heure, je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, c'est 6. 10 moins 4, ça fait 6. Alors là, c'est intéressant de s'arrêter un petit peu et de regarder ce qu'on a obtenu. Parce qu'ici, on a euh, valeur absolue de x plus 10. Ça, valeur absolue de x plus 10, c'est toujours positif. Hein. Une valeur absolue, c'est toujours positif. Et puis, on multiplie par moins 2. Donc ici, à gauche du signe égal, on a en fait moins 2 fois un nombre positif, c'est-à-dire qu'on a un nombre négatif. Alors que de l'autre côté, à droite du signe égal, eh bien, on a 6 qui est positif. Donc cette équation, on l'a traduite en une autre équation qui voudrait qu'un nombre négatif soit égal à un nombre positif, et bien entendu ça c'est pas possible. Donc finalement, arrivé ici, on peut déjà conclure que l'équation n'a pas de solution. Voilà. Mais bon, comme ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas toujours conclure ça à ce stade-là. On va quand même continuer la résolution pour voir comment ça se passe et voir comment euh, finalement en détaillant on arrive à déterminer la solution si elle existe. Donc j'ai cette équation-là, moins 2 fois valeur absolue de x plus 10 est égal à 6. Et je vais continuer à faire de la même manière, c'est-à-dire que je vais essayer de disoler encore plus valeur absolue de x plus 10. Et pour faire ça, ben, je vais, là j'ai moins 2 fois valeur absolue de x plus 10, en fait je vais diviser par moins 2. Alors je vais diviser par moins 2. Je fais comme ça. Et si je le fais de ce côté-là, je vais le faire aussi de l'autre côté. A gauche, du signe égal Alors, moins de 2 vrai, divisé par moins 2, ça valeur 1, ça simplifie donc. 10. Et ça, ça doit être égal à 6 divisé par moins 2. 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Alors là, on arrive à une situation intéressante, parce qu'on a une valeur absolue ici, et tu peux te dire, bon, c'est peut-être de ce côté-là, j'ai peut-être le, le, le positif ou le, le, ou le négatif, mais rappelle-toi qu'une valeur absolue, c'est toujours positif. Hein. Quand tu prends la valeur absolue de 0, c'est 0, la valeur absolue de moins 3, c'est 3, la valeur absolue de 3, c'est 3 aussi, enfin, une valeur absolue, c'est toujours positif. Donc ça, c'est très important. Je vais l'écrire ici, ça, ce terme-là, valeur absolue de x plus 10, du coup est toujours positif. Si tu remplaces ici x par n'importe quel nombre, x plus 10, ça sera un nombre que tu pourras calculer, qui sera peut-être positif ou peut-être négatif. Mais quand tu vas en prendre la valeur absolue, ce qu'est ce qu'on fait ici, eh bien tu vas finir avec quelque chose de positif. Donc en fait, on ne peut pas trouver un nombre x tel que la valeur absolue de x plus 10 soit égale à moins 3, puisque moins 3 est négatif. Donc voilà, la, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Pas de solutions, On peut mettre un point d'exclamation parce que ça montre aussi que on peut tomber sur des équations qui n'ont pas de solution. Alors on note aussi comme ça parfois l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide. Voilà.